Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Amani kwenu. Nimugira mahoro. Nimwicare akanya gato. Bavandimwe nyiricyubahiro Musenyeri Jérôme Gapangwa, Episcopa cy'igihe wa Diyoseze ya Uvira, nyakubaha Vicaire General wa Diyoseze ya Uvira, nyakubaha Vicaire General wa Diyoseze yacu ya Kigali, nyakubaha Vicaire General wa Diyoseze ya Kibungo, nyakubaha abasaserdoti bihaye Imana, inshuti bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Dushimishijwe no kuba duteraniye hano twifatanya na nyiricyubahiro Jérôme Gapangwa, umwepiskopi wacyuye igihe wa Diyosezi ya Uvira, kugira ngo twishimane nawe kubera imyaka 50 amaze ahawe ubusaserdoti. Mumfashe dushimire Imana, tuyihe amashyi n'impundu. Dushimire kandi na nyiricyubahiro wabayeho muri imyaka 50 ari umugaragu w'indahemuka mu murima wa Nyagasani. Nawe tumushimire kandi turusheho kumusabira. Je vous remercie tous pour vous être joints à Son Excellence Monseigneur Jérôme pour son jubilé de 50 ans de sacerdoce. Nous avons beaucoup de visiteurs venus de l'étranger. Nous avons le vicaire général du diocèse d'Uvira à qui je demande de se lever et de saluer l'Assemblée. Monseigneur Honoré. Il y a aussi toute la délégation de prêtres laïcs et religieux, religieuses qui sont venus d'Uvira. Je vous demande de vous lever et de saluer l'Assemblée. Les prêtres venus d'Uvira, les délégations. Merci, asseyez-vous. Il y a aussi les prêtres religieux, religieuses venus du diocèse de Goma. Je demande de se lever et de saluer l'Assemblée. Et les autres visiteurs aussi qui ont la joie de participer à cette assemblée, à ce jubilé. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Et nous avons particulièrement aussi les évêques de l'église anglicane, Monseigneur Corini et Monseigneur Luciana, à qui je demande de se lever et de saluer l'Assemblée. Ce sont les amis particuliers de Monseigneur. Excellence, je vous demande de continuer la célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant sincèrement devant le Seigneur que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Yeah.
Bénissons le Seigneur. Dieu qui ne ferme jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse, nous te demandons la grâce d'être toute bonté, et nous allons jusqu'à te demander d'écarter de nous, de nos vies tout malheur, pour que nous obtenions le service dans la joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Et j'ai dit, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tous ceux que je t'ordonnerai, tu les diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis, le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Zo jezizi narja wenyaga sani mubotu vindi mge. Nyagasani nzari ribisingizo mwikoraniro rigari imbere y'abagutinya nzubahiriza amasezerano nakugiriye abakene bazarya bahage Shaka shaku hora ho wazamu singiza. Thank you.
Isi yosayivi kagera izabyibuka maze igarukira Uhoraho imiryango y'amahanga imupfukamire kuko ibisingizo byose ari by'Uhoraho akaba ari ugenga mahanga. Amasekuruza bati Uhoraho ni we wabikoze. Somo la pili. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Katika eklesia iliyokuwako Antiokia, palikuwa na manabii na walimu, ndio Barnaba na Simoni, aliyeitwa Nigeri na Lucio Mkirete, na Maneeni aliyekuwa amelelewa pamoja na mfalme Herode tena Saulo. Nao waliokuwa wakimtolea Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu alisema, niwekeni Barnaba na Saulo kwa kazi ile nilivyowaitia. Hapo wakishafunga na kusali tena, wakawawekea mikono, wakawaacha waende safari. Ndilo neno la Bwana.
Nagasani Yesu navane namwe. Amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mahariko. Nuko Yakobo na Yohani bene Zebedeyi begera Yesu baramubwira bati mwigisha turashaka ko udukorera icyo tugiye kugusaba. Arababaza ati murashaka ko mbakorera iki? Baramusubiza batuduhe kuzicarana nawe umwe iburyo undi ibumoso mu ikuzo ryawe. Yesu arabwira ati ntimuzi icyo musaba, mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho cyangwa se guhabwa batisimu nzahabwa? Baramusubiza bati turabishobora. Yesu arabwira ati koko inkongoro nzanyweraho muzayinywesha na batisimu nzahabwa muzayihabwa, naho ibyo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sije ubitanga, bizahabwa ababigenewe. Abantu uko ari cumi babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohani. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha gahato. Kuri mwe rero siko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye yigira umugaragu wanyu, maze ushaka kuba uwa mbere yihindure umutakara wa bose. Dore n'umwana w'umuntu ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu. Chers frères et sœurs, prêtres, religieuses, chrétiens laïcs qui êtes le corps de Christ, c'est la définition que Saint Paul donne à l'Église, c'est le corps de Christ, corps mystique de Christ. Nous avons privilégié pendant le concile, le synode pour l'Afrique, en 1994, la terminologie de la famille de Dieu pour dire l'Église. Ça vient de Saint Paul aussi. Un théologien l'a défini autrement en disant que c'est l'Église fraternité. Tout cela dit la même chose. Assemblée, Église, famille de Dieu, famille, fraternité. C'est ce que nous essayons de célébrer aujourd'hui, comme tous les jours, quand nous sommes rassemblés autour de l'autel dans l'église pour louer le Seigneur et lui demander des grâces pour consolider notre foi. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, quand les Juifs de différents horizons et nationalités étaient venus à Jérusalem pour leur fête de la Pentecôte juive, l'Esprit Saint a changé complètement l'horizon et la signification de la Pentecôte juive.
Il en a fait la fête de toutes les nations, langues, couleurs et tribus. Les apôtres parlaient, pensant que chacun parlait dans sa langue, et tous les apôtres étaient galiléens. Donc, ils parlaient pratiquement araméen, mais chacun entendait dans sa langue. Toutes les nations rassemblées comprenaient chacun dans sa langue. Voilà le miracle de la Pentecôte. Je dis cela pour m'excuser. Nasabye Roho Mutagatifu abandi bene data bita ngo umwuka wera ngugorore amagambo yanjye namwe izibura amatwi yanyu kugira ngo twese twumvikane muri iki gitambo cya misa. Aujourd'hui nous fêtons mon jubilé de sacerdoce 50 ans. Pour des raisons évidentes, je ne pouvais pas le célébrer dans mon diocèse d'origine, Uvira, ni dans ma paroisse d'origine, Baraka, qui signifie bénédiction, mais qui semble ne plus être béni, parce qu'il y a la violence de tous les jours. Alors j'ai choisi de venir ici, puisqu'il y a beaucoup de frères, d'amis, congolais et rwandais, même des Burundais qui vivent, qui travaillent, qui sont ici au Rwanda. Alors j'ai choisi ce point-là, le Rwanda et Kigali. Cette église, pourquoi? Elle s'appelle Regina Pacis, la reine de la paix. Quelle est cette paix? C'est Jésus la paix. Donc la reine du prince de la paix, à qui nous demandons Wasakaze Amahoro. C'est pour cela que j'ai choisi cette église. Puisqu'elle correspond aussi à ma devise épiscopale, je voulais adresser au début de la messe, la paix soit avec vous. Je suis venu au Mutima Wange, je suis venu au Wange, je suis venu au Mana. Je suis venu au Bibliya, je suis venu au Mwazi Kengiranye Monzu, je suis venu au Bgova. Wendazi haezi juguma, zibaze kija gukurikira aho ndatarazo zishwa, araza ati nimugira amahoro. Il leur a dit, soyez en paix, je vous donne la paix. C'est cela qui m'a poussé à choisir ma devise épiscopale. En fait, je m'adressais au diocèse d'Ouvira, mon diocèse. Soyez en paix, accueillez la paix. Si vous l'accueillez, vous serez toujours en paix. Ryanditse hano uru rupeta ce n'est pas un bijou harimo ijambo ngo nimugire amahoro iyo ndwambaye ngakora musa mba nguhaye amahoro naho ntuvuga ijambo même si ne vous dit pas je vous donne la paix quand je vous salue avec ma main je vous transmets la paix de Jésus-Christ puisque c'est un nom signifie mon alliance avec Dieu. Or, alliance dans la vie humaine signifie mariage avec Dieu. Dieu m'a fiancé.
J'ai accepté. Je suis devenu comme son épouse. Et je ne suis pas seul. Vous tous ici, chrétiens, catholiques, protestants, anglicans, n'importe quelle communauté qui est unie autour de Jésus, dans ce livre qui est la Bible, nous sommes en alliance avec Dieu. Qu'on porte l'anneau ou pas, notre baptême, qui se donne sous différentes formes, fait de nous, toute l'Église, l'épouse de Christ. Nous avons eu vraiment des fiançailles et un mariage. Pour mon sacerdoce, ce que nous fêtons aujourd'hui, vous avez entendu la première lecture de Jérémie, sa vocation. Wakati Mungu alimuita Yeremia. Alimwambia kama mbele ya kuzaliwa tumboni, mbele ya kukutunga tumboni mama yako, nimekujua, nimekuchagua. Ça a une implication si on réfléchit un tout petit peu. J'ose dire que nous sommes pratiquement, avant même de naître, nous sommes éternels, ou au moins destinés à l'éternité. Puisque avant de nous former dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait et nous a choisis. Nous sommes tous des élus de Dieu. Toute l'histoire sainte de l'Ancien Testament ne fait que répéter cela. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Au minimum, partant du livre de la Genèse, jusqu'au livre de Zacharie, où la sagesse qui conclut la Bible de l'Ancien Testament, c'est une histoire d'alliance, de beaucoup d'infidélité de la part de l'homme, mais de beaucoup de fidélité de la part de Dieu, qui passe par la miséricorde. Parfois, il punit, il frappe. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, je crois, Dieu nous dit ceci. Ce que j'aime, je le corrige. Wongunda, ndamuhana, navuga mu kinyamurenge, mukubita umunyafu ku kibuno, kugira ngo yumve ahindukira se andebe, au kumpunga. Donc, quand Dieu frappe, ce n'est pas pour tuer, c'est pour corriger et ramener vers lui. Ce que j'aime, je le corrige. Alors, tous ceux qui ont été appelés comme moi, puisque Jérémie n'est pas l'unique ni le seul à avoir été choisi par Dieu, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les prophètes du Nouveau Testament ont été élus par Dieu pour transmettre son message à l'humanité. Donc, tout ce qui abatanga butumwa bose, tout ce que tu veux dire, soumouga, la profession, ce n'est pas ça. Nous, Muhammagaro, la vocation, le mot vocation vient du latin vocare, appeler. Donc, wumvishemo umwuka w'Imana ngo urahamagawe si byawe. Imana igeze gukoresha igikoresho cyayo nk'uko nakoresha iyi mikoro cyangwa ikindi kintu. Donc, abatanga butumwa bose, abaribo bose, mu matorero yose, ndabinginze, ntimukibeshe ngo ibingibi ni byanyu, ni by'Imana, muri intumwa z'Imana. Tugomba rero kwibaza n'ibyo duhaye tuvuga dukora bihuye n'iby'Imana. Niba uko tubayeho imyifatire yacu ihujije n'ijambo ry'Imana, si ce n'est pas ça, nous sommes appelés à nous convertir vers Dieu. Je me sens moi aussi appelé avant ma naissance. Et Dieu n'appelle jamais pour rien. Il a toujours une mission à confier. Ubutumwa yaguhamagaye ukamwitaba abagufitiye yagupfunyikiye ubutumwa ngo abugushikirize na ugende ubutange ahandi mu bantu. Subwo kwikubira ngo mugumane njewe ngo ni nkingabire y'Imana yanihereye irankunda cyane. Donc c'est pour moi. Non. Ce n'est pas pour vous.
c'est pour le peuple de Dieu. Donc la paresse pastorale est un grand péché contre Dieu qui vous a donné la mission. Parfois on pense que le péché, c'est vrai, ariko, le plus grand péché, et Jésus l'a dit, c'est aller contre l'Esprit Saint que nous avons reçu pour la mission. Nous avons été choisis pour une mission. Jewe hano mubona kamwe mwese jewe navuka hari ya muri Kongo mugana gatoya kitwa mukarongi hejuru y'ubuvira umuryango w'ubukene cyane barya bakene bo hasi ariko yarantoye yonyine yaravuze ngo uyu mwana mufitiye umugambi so umuryango wase uzayimugezaho sinka zase zizabimugezaho inka nagabiwe inka nyinshi narazigabiwe ariko se zangije kuri uyu muhamagaro n'Imana alors Dieu m'a dit va parler à mon peuple va prêcher à mon peuple va lui donner le message ou ce cadeau le don de Dieu qui est sa parole, va le dire. Vous avez entendu comment Jérémie a répondu à Dieu. Il a voulu échapper. Il a dit, je suis encore trop jeune. Comment je vais affronter un monde d'adultes, des grands prêtres avec des barbes qui tombent jusqu'à la poitrine? Je n'ai pas encore l'âge suffisant pour prêcher. Chez les Juifs, avant 30 ans, on ne pouvait pas prendre la parole en public. Ça suppose que Jérémie était encore très jeune quand il a été élu. Quand il a dit que je suis encore trop jeune. Ce n'est pas lui seul. Moussa, Moïse, longtemps après, quand Dieu l'a choisi, il a prétendu qu'il ne savait pas parler, qu'il bégayait. Moïse, Mungu alimwambia, kamata fimbo, alama ya nguvu na kupatia ndugu yako Aroni atasema lakini wewe nakupatia kazi ya kuongoza taifa langu. Et nous savons que Moïse finalement a parlé quand même au peuple de Dieu. Donc il y a parfois quand Dieu nous appelle on cherche des faux fuyants, on veut éviter. Et quand Dieu vous a choisi, Dieu, j'ose dire, il est terrible, il vous poursuit jusqu'à ce que vous acceptiez. C'est comme exactement un homme, un garçon qui veut épouser une jeune fille, qui peut-être au début ne se sent pas à l'aise. Le garçon le poursuit, il fait des petits signes, des cadeaux, de ceci. Et la fille essaie de fuir tout le temps. Le garçon insiste. Finalement, il parvient à allumer le feu de l'amour dans le cœur de la vieille jeune fille. Et il se marie. Dieu nous fiance, il nous suit, il nous parle dans notre cœur, dans notre tête, dans les circonstances, les événements, jusqu'à ce que nous disions, mais voici, je viens. C'est le mot Amen. J'accepte ton appel. Donc, je me suis senti appelé par Dieu. C'est passé par la voix humaine. J'étais un petit pasteur de troupeaux. La religion chrétienne venait à peine de pénétrer les montagnes du Sud Kivu dans les années 48-49. J'étais dans les pâturages, mon biraro, Kukirinka, et moi, Koyanje, Yakukirinka, Tchane, Amase, Yinka, Nagiran, Zanino, Kizan. Navo, Yamaganga, causing Congo, Nogin Congo, Ninyogesh. Juste un ami, cause, Damri Mamofito, Hari, Takos. Arku, Umon, Soumwe, il dit, je te veux. Que ta famille te mette à part. Je t'ai choisi. Ça a commencé comme ça, petit à petit. Il y a une chose qui m'étonne dans ma vie sacerdotale.
j'ai eu des signes que je commence à lire aujourd'hui à comprendre. En 49, le prêtre vient de Baraka, il vient à Minembwe, c'est la région, mais Mobidego exactement. Il y avait un camp de la MG des ouvriers pour baptiser, donner des sacrements, davantage aux ouvriers de la MGL qui venaient de Kamituga. Aucun Mnyamulenge parmi eux. Certains commençaient à peine à suivre Jésus-Christ. Et on a vu comment le prêtre baptisait. On a vu comment il versait l'eau sur les têtes de ceux qui étaient prêts à être baptisés. Arrivé à Mobile à Rodjach, au Kirambi, on a commencé à mimer, à jouer, nous les enfants, à jouer le baptême. Curieusement, c'est moi toujours que les camarades choisissaient pour les baptiser. Ce sont des gestes prophétiques. Et on avait appris qu'on ne profane pas le baptême. Donc, je ne verse pas l'eau sur eux. Quoi, Fatagikubo, quoi, la ragaho, la peau d'une vache. Kakibachira kumavo, kumutwe, ngasuka hamaz. Je n'ai vu aucun autre garçon qui a été choisi pour baptiser les autres. Toujours moi. Je dis, mais comment? Je commence à voir, c'est comme si Dieu me préparait à baptiser des gens. Et c'est arrivé. Si chacun de vous essaie de lire sa vie comme un livre, vous allez découvrir beaucoup de messages que Dieu vous adresse. Peut-être on est distrait. Mais Dieu parle par les événements, par les choses, par les hommes, même les incidents, les accidents, il nous parle. Un jour, j'étais déjà à l'école primaire, encore païen, non baptisé. Je sens un désir d'être prêtre moi aussi. Or, je n'avais jamais vu un prêtre noir. Tous les prêtres que nous avions étaient des pères, des missionnaires, pères blancs, des blancs. Donc, on croyait qu'il n'y a que des prêtres, que des blancs. Mais j'ai senti, on mourira quand tout. Quand tout, c'est un moutima, puis il faut zangue, c'est ni goutte naviguer à Honange. Nam nagan na oza kwa padiri nami. Mweusa na oza kwa padiri naye. Nime diulisa maranyingi par baraka. Un jour, je vois venir un homme, un noir, en camionnette, qui venait de Kasongo, puisque nous étions du diocèse de Kasongo. Le prêtre l'accueille, l'embrasse, l'amène à table, il mange avec eux. Chose étonnante, un noir ose manger avec le prêtre. À la sortie, on lui donne du vin, il y boit, et nous étions dans le coin en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Qui ose aller manger avec le prêtre et les blancs? Là aussi, Dieu me faisait des signes. Nguino, viens, karibu, na utakwasa wana yule. On lui dit au revoir, il s'en va avec sa camionnette. Un camarade, Mubembe, Cyprien Mchwali, on se dit, mais nous avons vu une chose, les Noirs peuvent être prêtres, et pourquoi pas nous? On se met d'accord qu'on va être prêtres tous les deux. Mais on avait peur de le dire aux prêtres. Si nous le disons, ils vont nous frapper. Ils vont nous chasser de l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'un côté, on sentait le désir, et de l'autre côté, la peur des missionnaires. Arrive notre évêque qui venait de Kasongo. Visite pastorale. On avait déjà vu venir conférer le sacrement de la confirmation. On le voit un homme bon qui saluait tout le monde, se laissait saluer, baiser l'anneau. Il symbolisait la bonté. On s'est dit, on va lui demander
de nous envoyer là où le prêtre se forme. Nous sommes arrivés chez lui le soir. Il nous salue. Il nous demande, que voulez-vous? Ce qui nous a amené chez lui, on ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'on va faire? On est de commande. Il va se fâcher si on ose encore frapper une deuxième fois. Mais si on part, on n'a rien demandé. Donc nous restons comme nous étions. On a frappé encore. Il ouvre. Mes enfants, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être prêtre? Dio Baba. Sawa, vizuri sana. Et on a été félicité par l'évêque pour avoir osé dire qu'on voulait être prêtre. Voilà qu'il nous dit, vous allez chez le prêtre, le père supérieur. Vous lui direz cela à la fin de la cinquième primaire. À ce moment-là, l'école primaire s'arrêtait à 5 ans, au temps colonial, chez nous, au Congo. Dites que vous voulez devenir prêtre, il sait où vous envoyez. On s'est dit, c'est fini. Il y a trois. Donc, mon Seigneur, il y a trois. On a gardé ce secret pendant des mois, nous deux. On cherchait comment le faire, on avait peur. Un jour, ce prêtre nous enseignait les chants religieux. Et on a chanté. La chorale, comme celle-là, de bons chants. Et le père était tellement content qu'il nous a donné tous des bonbons en abondance. On s'est regardé nos dédits, c'est le moment. Comme il est content, Kadokuit, Tumugir. Les autres sont sortis de la salle, hein. Nous nous sommes restés. Il dit, mais mes amis, vous voulez encore des bonbons? Papa Nababa, que voulez-vous que je fasse? Tralevanye, Tule Yindimi. Dites-moi, on attaque à Nini. Tunaomba Baba, Ututumi Nassisi, au séminaire. Oh! Vous voulez être prêtre? Oui. Très bien. Ce jour-là, si nous avions des moyens, on allait faire une fête. Le prêtre acceptait qu'on aille au séminaire. À la fin de l'école primaire, on a demandé d'aller au séminaire et nous y sommes allés. Mon ami a quitté le séminaire et je suis resté. D'autres sont venus, ils sont partis. Et me voici devenu. Je n'ose pas souligner l'épiscopat. Je souligne les sacerdoces. Aujourd'hui, c'est le jubilé des sacerdoces. Donc, ils arrivent au sacerdoce. J'ai vu des centaines de camarades qui ont été avec moi dans cette école, à Mungombe. 4 ans. Sont passés des centaines. Nous sommes devenus prêtres à 3 seulement. 3 sur des centaines. Ababili Barigasongo, Kasongo, Tata Poncien, Simon Ngongo, Najero Megapango Ibaraka. 3 sur des centaines. Imana, il a tora nya. Il gagne de tora, on peut tora, il vit chez Machangi Rigori, à cause du Moussaigne. Kamwe, il fait ce qu'il va envoyer en mission. Abata Hageze, il y a Vachir, Oya. Alors, il va gagner Yvindi. Ça fait que moi, ça m'a dit que C'est pourquoi je dis, vous les parents, oui, c'est humain de dire mon enfant, moi, je suis en réalité, nous, il y a la courage. Il y a la courage.
uyu mwana mundere mucishije mu mubiri wa maraso yawe ariko nuwangiye tukamukore tushaka mufiti ubutumwa njyewe wamuremye siwe wamuremye mwitoze kwiyemeza ko abana arabimana atarabaga naho mwababyaye ce sont les enfants de Dieu qu'il a choisi avant qu'il naisse dans le sein de leur mère. D'où le respect qu'on doit à toute vie, depuis la conception jusqu'à la naissance, jusqu'à la croissance. Nous avons un mystère de Dieu à garder précieusement, les enfants. Je vous dis, il y a eu beaucoup de pièges, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Un petit rien, une petite faute, on l'a envoyé. Et moi, on m'a laissé. Au collège Notre-Dame de la Victoire, qui est devenu Al-Fadjir aujourd'hui, j'ai voulu quitter le projet de sacerdoce. J'ai fait une année en guerre contre trois prêtres. Le recteur du collège, deux pères blancs qui étaient nos pères spirituels. Je voulais quitter la voie sacerdotale. Padre, recteur, et ça m'a effrayé. Il a juré, il a dit, Jérôme, devant Dieu, je ne te laisse pas aller. Devant Dieu, je ne fais pas ça. Alors comment s'y allait? Je pouvais quitter sans leur demander la permission. Donc, il veut juste venir à la garde. Que si man a chassé, il a chassé, il a gagné. Jonas. Il a chassé quoi? Jonas a dû obéir à la volonté de Dieu. Byanze bikunze. Twitondere Imana. Soyons prudents quand nous pensons qu'il y a une petite lumière dans notre cœur. Dieu nous parle. Soyons prudents. Faisons attention. Analysons. Discernons. Prions l'Esprit Saint qu'on comprenne. Mais dire non, non à Dieu, c'est un engagement mortel, c'est un suicide. Ça, c'est dangereux. Mes frères, Jésus-Christ, Mouli Vandele, Yatoukiye, Marc, on a une avance de divise et Angéo, sacerdote, Wamrongo, Wek. Gumwana w'Imana yaje gukorerwa yaje gukorera abandi no kwitanga je parle aux prêtres de mon diocèse où ils sont ici merci beaucoup mes chers frères et mes enfants beaucoup je les ai ordonnés
on ne va pas au sacerdoce pour avoir des honneurs. On ne va pas à l'épiscopat pour commander. On y va pour obéir à Dieu, faire ce qu'il veut que nous fassions. Que ta volonté soit faite. C'est dans la prière de notre Père que nous vivons tous les jours. Papa François, il a tout oublié. Il a tout oublié. Il a tout oublié. Le sacerdoce, comme l'épiscopat, comme le cardinalat, comme le pontificat, ça donne l'honneur, c'est vrai. Les gens vous admirent, les gens vous respectent. Les gens, quand vous passez, ils dégagent le chemin. Mais ce n'est pas pour cela qu'il y a d'autoï. C'est pour servir le peuple de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, donc servir Dieu à travers son peuple. C'est cela qui a fait qu'il nous a appelés. Je veux dire, nous devons faire attention à l'envie des honneurs, qui est un virus dangereux, qui peut même changer notre vocation en une torture pour les autres. Et nous devons les méditer souvent, nous demander, je suis prêtre, pourquoi? Quand les gens me montrent l'honneur, même des cadeaux, j'accepte, je ne vais pas les rejeter. Quand je rejette, je deviens même mal éduqué. J'accepte, mais ce n'est pas ça ma mission. Les gens me montrent qu'ils respectent Dieu et son serviteur. J'accueille les bras ouverts. Merci madame, merci messieurs. Ariko utabimpaye utansuhuje n'icyubahiro ntabwo namukurikirana tima pasaye. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vu que je suis ici? Donc nous devons faire attention à réclamer les honneurs. Mais si vous servez Dieu et son peuple, vous aurez beaucoup d'honneurs, beaucoup de mérites. Jésus nous a dit, je vais finir par là, que ceux qui vont le suivre, ceux qui vont abandonner les projets de mariage, donc les seuls, une épouse, même quand on ne l'a pas encore, quitter sa famille, son père et sa mère, ses frères et sœurs, sa maison, ses biens, pour le suivre, lui et Dieu. Ils vont récupérer tout cela. Aïe, 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 plus le ciel. Il y aura des croix, des épines, comme lui-même a eu des croix, des épines. Mais ils vont récupérer tout cela. Je vais vous le montrer. Dans ma vie, je suis devenu prêtre et puis évêque dans beaucoup de vicissitudes. J'ai dû quitter mon diocèse en 2000, le 7 mars 2000. J'ai quitté Ouvira, salé à Rome. Je me suis retrouvé au Vatican, dans le palais du Vatican. Ouvira, il y avait une bonne résidence de l'évêque. C'est moi qui l'ai inaugurée. Mais elle était quand même petite, pour l'Afrique, ça va. Je me suis retrouvé dans des palais pontificaux que je n'ai pas construits. Je ne sais qui les a construits, quand je suis dedans. 6 ans après, je quitte l'Italie. Je vais en Belgique où j'habite maintenant depuis 16 ans. Je suis dans un château. Je dis bien, oui, beaucoup n'ont pas été en Europe. Vous ne comprenez pas, qu'est-ce que c'est qu'un château? C'est une grande maison de princes, de richards. C'est ça le château. C'est là où je vis. Je suis dans un château que ma mère, mon père, mes frères ne pouvaient pas du tout m'offrir. J'avouais qu'il y a une imana. Gouza Segabi Webos à Kansan. Et bien, nous avons dit bon. Tous les jours avec des croix. Tout cela je les ai. Je vis ça. Je me souviens quand j'étais jeune évêque à Ouvira.
J'ai fait un voyage pour Goma. Vous avez une conférence des évêques du Kivu. La route est meilleure. Je fais par Bujumbura. Je monte jusqu'à Butare. Je prends ici Ouguiti Chignoni. J'avance, je vais à Goma dans ma voiture. Au retour, il y avait le cardinal Danils, belge, métropolitain de Bruxelles, qui était en visite chez Monseigneur Gahamagné. Il donne une conférence à l'université de Butare. Je vais l'écouter moi aussi. Et après, nous sommes accueillis chez l'évêque pour manger le soir. Il nous dit une chose. Il dit là en Belgique où j'habite, sur mon bureau, j'ai deux tiroirs. Un côté, ce sont des lettres d'insultes, des menaces, des malédictions de ceux qui ne me veulent pas. L'autre côté, c'est rempli de lettres de bénédictions, d'encouragement et de prières. Donc les chrétiens se battent autour de l'évêque. Et ils envoient tout cela chez l'évêque. Cardinal nous a dit ça. Or, ce qu'il disait, je l'avais chez moi au Vira. J'ai dit, tiens, qui lui a dit de dire ce que je vis? Il est en train de divulguer mes secrets. Non, tous les évêques du monde vivent ces contradictions dans leur église. Il y en a qui sont contre, qui sont pour vous. Notre cardinal ici, Kambanda, Arabifite, Arabamutuka, Arabamuhezimigisha, c'est notre pain quotidien. On passe à travers ça, on avance. Je crois que mes seigneurs, je vois mes frères protestants, anglicans, Monseigneur Coligny, si nous n'y avons pas, nous allons vous montrer à vous sauver le guitare de l'Ugabe. Nous sommes mis au Gagrimano. Alors, quand on a vu qu'est-ce kuba intumwa y'Imana ni urugamba n'ukwemera gusuzugurwa kwangwa ariko ntaba gukunda kurusha abo ngabo abasakuza cyane bakavuza induru nibo bagaragara ariko abenshi ntibavuga barya nibo benshi bagukunda amasengesho bavuga leur prière c'est ça qui vous encourage à aller de l'avant. Donc prêtres, évêques, cardinaux, tous, n'ayez pas peur des insultes. N'ayez pas peur des lettres anonymes, des tracts. Avancez. Si vous êtes dans la voie du Seigneur, vous allez traverser la grande rivière ou le grand océan. Le pape François, il y a un livre sur lui. Au Vatican, ses collaborateurs, il a des ennemis là-dedans. Des livres sont sortis là-dessus. Il y a un livre qui dit François, au milieu des loups. Il est entouré des loups. Quels sont ces loups? Ce sont des cardinaux, ce sont des évêques de la crise qu'il a nommé pour l'aider. Donc on ne s'étonne pas quand on est des croix. Mais Dieu, quand il vous a choisi et vous avez accepté, vous traversez. Vous pouvez mourir pour lui. Il vous appelle, il vous attend. C'est votre destin, il vous entend par la mort. Lui-même, il est mort pour nous sauver. Il est mort, Jésus-Christ. Réellement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la littérature. Il est mort. Enterré, ressuscité. Et sa mort, sa croix, Gethsémani, quand il a gagné Imana, il a eu Shoboka. Il s'est occupé de Rukundi, il a Dukunzi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, au Moussalaba wa Jésus-Christ, twawandikaho urukundo rw'Imana. Yaradukunze bihebuje bitaraboneka. Nta urakunda ubone nk'uko Yesu yadukunze, Imana yadukunze. Dukunda dufite inyungu nyinshi, tureba ubwiza bw'umuntu, umubiri wiwe. No, il nous aime parce qu'il nous a créé gratuitement. À son image et à sa ressemblance. Nta kindi akurikiye, nta kindi adusigaye. Twamukurikira, tutamukurikira. Il est toujours Dieu. Il ne change jamais. Et il n'en souffre pas. Mais à la chaque de Sangiza, vous m'en avez. Il veut nous partager sa divinité. Il veut nous diviniser. Par votre triangle. Il faut qu'on réfléchisse. Je m'excuse pour. J'ai été prolixe. Bonne fête de mon jubilé, de notre jubilé. Et merci pour votre présence, vous tous et toutes. Merci sincèrement. C'est ma fête, c'est notre fête, c'est votre fête. Je demande à l'Esprit Saint qu'il vous donne la joie de vivre cette journée
en Dieu, en divinité. Et je voudrais une aise. N'en est qu'un aise. Mettons-nous debout pour la profession de notre foi.
Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible. Prions pour le Congo, pour le Rwanda, pour le Burundi. Prions pour les pays qui sont en guerre. Il y en a beaucoup dans le monde, il n'y a pas qu'ici qui a des difficultés. Pour que nous puissions parvenir au bonheur éternel tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions de donner à ton Église, à travers le monde, une foi parfaite, la paix et le véritable amour. Donne l'unité à tous les chrétiens, afin qu'ils soient le sel et la lumière du monde, et qu'ensemble nous puissions construire un monde plus fraternel et plus juste. Prions le Seigneur. Éternel et tout-puissant, tout pouvoir vient de toi. Nous prions pour les dirigeants des pays de la région des Grands Lacs, afin que l'Esprit Saint illumine leur cœur et les guide dans leur travail quotidien au profit de ton peuple. Prions le Seigneur. Bakomeze umurimo wo kuragira intama zawe ijoro n'amanywa mu kwizera n'urukundo tubisaba Imana. Abapfakazi abatishoboye muri rusange n'abababaye mu mitima yabo kugira ngo impuhwe zawe nyinshi zibahumurize maze Bikira Mariya nyina wa Jambo waje wacu kibeho
abahakirwe kumana kugira kumana kugira ngo bakomere mu kwizera tubisaba Imana Bwana Mungu wetu tunawaombea wa Kristo wote walioshiriki katika mkutano huu ili neno lako waliolishwa na ukaristia waliotayarishiwa waunganishe katika mapendo ya kweli wawe wa Kristo wanaomtumikia Mungu wakisaidia wengine Tumombe Bwana. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Et comme une paix subsiste sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort, accepte le sacrifice d'action de grâce
que nous t'offrons aujourd'hui en la fête de mon jubilé d'or du sacerdoce. Pour nous avoir tenus loin des épreuves, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi, c'est pour cela que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Thank you.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yagiye ku isi hose, maze uhe guhorya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Antoni Kardinali Kambanda, n'umwepiskopi Jerome dukikije uyu munsi, n'abatorewe muri maritari bose. Nyagasani, wibuke kandi umuyoboke wawe Musenyeri Jerome wishakiye gushyira mu rwego rw'ubwepiskopi, ugira impuhwe umukomezemo ingabire yawe kugira ngo umuriro mutagatifu ukomeza kumushinga muri kiliziya yawe abashe kuwurangiza abifashijwemo n'imbaraga zawe. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, en particulier notre confrère Benoît, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Turakwinginze ko natwe twese utugirira impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya, umubyeyi muhire w'Imana, Yozefu mutagatifu, umugore udahinyuka, intumwa zawe ntagatifu, bazi n'abacu batagatifu, n'abari batagatifu bose bakunyuze uko ibi byagiye bisimbura. Nuko hamwe nabo tuzakurata ku bwa Yesu Kristo, umwana wawe. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donne la paix à ce monde déchiré par les violences. Donne la paix à nos familles, à nos communautés religieuses et sacerdotales. Donne la paix dans nos relations sociales. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, échangeons-nous des gestes et des signes de paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Kandi harahazwa abakristo gatolika nabo biteguye neza.
Seigneur Jésus. Tu es sauvé par lui, je suis étranger. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis étranger. Partout où je t'envoie, dis pas tout ce que je te commande. Dis-le-dis, ne perds personne, je
Tanto caso, Señor, cariño,
Nyagasani izi mbondo twavugije aya mubwo twateza sana amahembe y'inyambo ndabigutuye bikubera umubavu uvumura neza birango horo tureba n'amaso y'umubyeyi usakaze mu mugisha w'amahoro n'urukundo tw'abana bawe ube data watubyaye tu abantu bawe ubwoko bwawe w'Imana yacu Dieu vivant qui donne le pain de la vie pour délivrer tes amis de leurs péchés et leur fournir de forces nouvelles, dirige-nous de jour en jour vers le royaume dont nous avons l'espérance par Jésus le Christ notre Seigneur. Kristo yazakuzwe muri cyo twongere dushimire nyir'icyubahiro Musenyeri Jerome kubera igitambo cy'Ukaristiya yadusangije cyo gushimira Imana kandi twanamusabiyemo ngo arusheho gukomera mu butore bwe muri cyo dushimira Imana kuri uyu munsi kuri uyu mwanya ubakurikiyeho umwanya w'amagambo tujye kumva ubutumwa bwa nyir'icyubahiro Kardinali umushumba wacu hano muri Arkidiyosezi ya Kigali utashoboye kuboneka hano ariko yatwohereje intumwa yatwohereje igisonga cye Vicaire General ugiye kuduha ubutumwa arakurikirwa na Musenyeri Rucyahana umwepiskopi wacyuye igihe muri Eglise Anglicane akaba ari inshuti y'umwihariko wa Musenyeri Jerome Gapangwa twijije none suivra enfin le discours des vœux du bon jubilé qui viennent directement du diocèse de Villa l'évêque de ce diocèse a dépêché son vicaire général pour venir rehausser de sa présence par à cette cérémonie. Maintenant, j'inviterai le vicaire général de l'archevêque de Kigali à venir présenter ses vœux à Monseigneur Gapangwa. Cyubahiro Monseigneur Jerome Gapangwa Neziryayo Excellence Monseigneur Jerome Gapangwa Neziryayo tout d'abord
Nous remercions votre présence ici dans la diocèse de Kigali. Toute l'Assemblée, même la chorale, nous a aidés à exprimer cette joie, ce que nous ressentons dans notre cœur, cette variété spirituelle à travers le chant religieux. Turashimira kuba kuri yubire ya Musenyeri Jerome Gapangwa byaduhaye umwanya wo gushimira Imana muri ubu budasa bw'uko twerekana ibyumviro byacu mu ndirimbo turimba. Applaudissons encore le Seigneur. Nous remercions aussi la chorale qui nous a aidés pour ce fête. Turashimira na korali yadufashije muri ibirori byo guhimbaza iyubire y'imyaka ijana ya Musenyeri Jerome Gapangwa ari umusasaridoti. Nk'uko rero babivuze umwepiskopi wacu Anone Kardinali Kambanda ntiyabashije kuza hano, yadutumye yaba njyewe, yatumye Vicaire General ariko na Padiri mukuru n'abandi basasaridoti bari hano bo muri arikidiyosezi ya Kigali ndetse n'abakristo bari hano, badufashije kugira ngo natwe dushimire Musenyeri Jerome Gapangwa kuba yaje hano uyu munsi. Excellence Monseigneur l'archevêque son éminence Antoine Cardinal Kambanda, il avait voulu venir célébrer avec vous cette Eucharistie de commémoration du jubilé de 50 ans de votre sacerdoce. Mais il n'a pas pu venir parce qu'il a une autre mission dans l'un des pays limitrophes. Mais il vous tient à cœur et prie toujours, il vous porte dans ses prières. Mon épiscopé a tenu à Chekouzano, éminence cardinal Nunika Mbanda, Ariko, abatwaye ku mutima, kandi abatwaye mu isengesho rye. Nkuko natwe tubatwaye ku mutima muri isengesho twakoreye hamwe. Ikindi kintu duhimbaza uyu munsi cyangwa dushimira Imana uyu munsi, turashimira Nyagasani. Nous remercions donc Dieu par ce don de sacerdoce. Vous l'avez bien exprimé dans votre homélie. En vous signifiant la beauté du sacerdoce ministériel et surtout l'épiscopat. Parce que la présence de l'évêque dans une communauté, dans une église, et surtout en célébrant l'Eucharistie, c'est toujours la présence du Christ. Parce que nous avons célébré cette Eucharistie que vous avez présidée au nom du Christ, une personne à Christ. Kuba mwahimbaje igitambo cy'Ukaristiya turi hamwe twese biratwereka iyo hari umwepiskopi cyari cyanahimbaza nk'igitambo cy'Ukaristiya yigisha n'ijambo ry'Imana ukuntu Yezu aba ari hagati muri twebwe. Turashimira Imana rero ibyo byiza by'iri sakramento ryiza ry'ubusasaridoti. Vous l'avez même exprimé dans votre homélie en disant que le sacerdoce c'est un don du ciel. Épiscopi cyangwa ubusasaridoti ni ingabire y'Imana. Et selon donc la logique du don, le don toujours commande, si vous pouvez dire comme ça, commande une réponse de la part de l'homme, de la part du prêtre. Ingabire yose cyangwa impano yose ibisabiriza, niko umuntu yabivuga, ibisabiriza ko nawe wasubiza karame, isabiriza ko nawe wagira icyo ukora kugira ngo wiheshe agaciro mu buzima bwawe. C'est ce que donc nous avons célébré. Vous avez insisté sur certains mots en disant que le sacerdoce est un don du ciel qu'on doit recevoir dans la simplicité, mais aussi un don du ciel qu'on doit recevoir ou exercer son ministère par un sacrifice. Parce que le sacerdoce, c'est un service à Dieu, un service à la communauté. Donc le prêtre doit toujours se sentir simple et exercer son ministère dans la simplicité, mais aussi dans le sacrifice. Mwavuze yuko ubusasaridoti ari impano y'Imana. Umusasaridoti yakira mbere na mbere, ariko mu kuyakira akanayisangiza n'abandi.
kubera ko impano yose ntabwo ari yawe gusa cyane cyane impano y'Imana igenewe community yose igenewe abakristo bose igenewe twese kandi mwatubwe yuko byanadufashije ko ubusasaridoti ari iki no guhereza no kwakira guhereza no guhereza abandi ariko harimo n'ikintu cy'iki cyo kwigomwa igihe cyawe kugomwa ibindi bintu wenda wumva ko nawe byagukura cyangwa washyiramo imbaraga zawe kugira ngo bashe kuba être disponible plus disponible à toute la communauté à toute l'église mwakoze merci pour cette homélie merci pour nous rappeler cette identité même des prêtres kiri kintu dushimira imana uyu munsi nuko la présence d'un évêque qui fête 50 ans du sacerdoce natwe dufasha gutekereza ça nous aide à y penser aussi kubera ko aujourd'hui nous commémorons ce que vous avez fait pendant 50 ans dans l'église d'Ouvira. Et ça, c'est très important parce que vous l'avez fait dans l'église d'Ouvira, mais ce qu'un évêque fait, il le fait pour toute l'église universelle. Quand vous construisez donc le cœur de la communauté d'Ouvira, d'une certaine manière, vous construisez l'église. Et c'est vrai. Icyo mwakoreye uvira abakristo baho mwabikoreye kiriziya natwe tubyungukiramo esirito parce que nous sommes dans une région des grands lacs nous montre que la présence de cette assemblée montre bien que nous avons des richesses à partager ensemble kuba turi hano twese biragaragaza ko natwe dufite ibyiza ubukungu tugomba gusangira muri kano karere k'ibiyaga bigari dutuyemo. Alors votre présence ici, dans cette communauté, dans l'archidiocèse de Kigali, nous a montré cette identité d'un évêque dans une communauté, l'identité même la présence d'un évêque dans l'Église universelle. Merci pour cette opportunité que vous nous avez offerte aujourd'hui. Turabashimira ubwo buryo mwadufashije kuzirikana kuri iryo banga n'ubwiza bw'ubusasaridoti ariko nanone ukuntu umwepiskopi adufasha kumva neza ko twibumbiye hamwe kuri Kristo Nyagasani parce que l'évêque c'est un signe d'unité un signe de présence de Christ dans une communauté avec l'évêque nous sommes plus unis au Christ iyo turi hamwe n'umwepiskopi yaba uwo ariwo hose ku isi tuba twunze ubumwe na Kristo Nyagasani udutora kandi udufasha kugenda muri nzira. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour le choix même de l'archidiocèse de Kigali. Kuba mwarahisemo hano muri archidiocèse ya Kigali pour la célébration de votre jubilé de 50 ans nabyo ça nous honore d'une certaine façon. Natwe biradushimisha kandi bikaduha agaciro. Ikindi turashimira Imana kubera ko vous avez choisi aussi notre pays pour célébrer les 50 ans de votre sacerdoce. Merci, Monseigneur Jérôme, pour votre présence et votre témoignage éloquent que vous nous avez délivré dans votre homélie. Kuri uyu munsi rero hari n'ubutumwa birumvikana n'umwepiskopi abayunze ubumwe na diocese ya Roma na papa niyo mpamvu hari ubutumwa i Roma bamugeneye ndabusoma au vénérable frère Jérôme Gapangwa Nteziryayo, évêque émérite d'Ouvira. Nous présentons notre proximité spirituelle au célébrant du jubilé d'or sacerdotal, évêque émérite du diocèse d'Ouvira. Et en même temps, nous demandons pour lui la protection du Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée, patronne du Congo. Et à lui et à ses proches, nous accordons volontiers la bénédiction tout en lui demandant de prier pour notre ministère pétrin, le ministère apostolique, fait à Rome, Basilique di Latran, le 8 août 2022. Applaudissons cette bénédiction. Mu Kinyarwanda bimeze gutya kuri nyiricyubahiro umuvandimwe wacu Jérôme Gapangwa Nteziryayo, umwepiskopi wa diocèse ya Uvira uri mu kiruhuko. Twifatanyije namwe mu birori byo kwizihiza yubire y'imyaka 50 y'ubusasaridoti. Muri yo hakaba harimo
niyo amaze nk'umwepiskopi wa diocese ya Uvira. Turasaba nyagasani Imana ngo ukomeze we nabawe kandi guha umugisha muri isengesho twisunze umubyeyi Bikira Maria utasamewe icyaha umurinzi w'igihugu cya Congo natwe ariko turagusaba ngo dusabire mu butumwa bwo kuyobora Kiliziya ku ntebe ya Mutagatifu Petero bikorewe I Roma muri Basilika ya Laterano ku itariki ya 8 ukwezi kwa 8 umwaka w'2022 twongeye tubiha amashyi ndarangiza rero dusaba Imana Imana ikomeze ibahe imbaraga ibahe ubuzima ibahe ubutwari kandi bafashe gukomeza umurimo ikomeza kubagenera muri Kiliziya yayo murakoze arakoze Msenyeri Kazimiri Bikira Jenerali wa Kardinali umwepiskopi wacu tugiye kumva noneho ubutumwa bwa Musenyeri Rucyahana inshuti y'igihe kirekire na Musenyeri Gapangwa twizihiza none kubaha kandi nyiricyubahiro Musenyeri Jerome Gapangwa Teziryayo nyakubaha Vicar General Padiri Mukuru namwe bayobozi bandi ba Kiliziya nasabye uyu mwanya kugira ngo ngire icyo mvuga ku nshuti yanjye ubu benshi muribaza muti Bishop Rucyahana patiganye na Monseigneur Ntaziryayo bakaba bataraturanye muri Congo mu bwana bwabo nubwo yigaga mu mashuri gihe nange nari mu mashuri ariko ntabwo twiganye ariko ubucuti bwacu bwaje mu gukurikirana ibyo namusomagaho n'ibyamuvugwagaho n'ibyo yavugaga ubwe n'ubuzima bwe Musenyeri yavuze ngo Yesu uko yarari Yesu ntiyahindutse Yesu umucunguzi wacu umwami wacu aracyari wa wundi aracyakize kwizera kwe n'ubutumwa yavugaga bw'amahoro akabuvugiraho yabuvugiraga avuye aho yaravuye naho yavukiye naho yabaye naho yakoreye naho yahamagariwe umurimo nubwo umuhamagara utahindutse ariko aho yahamagariwe harahindutse ariko akomeza kuvuga amahoro akomeza kuvuga kubabarira akomeza kuvuga urukundo akaruvugira aho yagiye kandi ubundi n'uburyo yagiye butari bukwiye gutuma bivuga nk'uko yabivugaga ariko nuko yari afite wa muhamagaro yahoze atubwira ibi rero namugereranyaga n'abandi bari bameze nkawe ba Danieli na Meshaki na Abednego bagiye mu mahanga bagakurikirana wa muhamagaro n'Imana yabo kugeza igihe Imana yabakizaga n'intare ikabakiza umuriro ariko bagakomeza bakavuga ya mana bari baramenye ni yabahamagaye Monseigneur turagushimira cyane kwitanga kwawe no kukomeza kumuhamagara wabaye kuko aho wavugiraga ni bari Roma ni bari muri Liège aho wagiye uba amahoro wavugaga n'urukundo wavugaga ntibari babikeneye kuruta aho wavuye Je m'excuse beaucoup, je ne parle pas le français. La langue française m'a échappé. Il y a bien longtemps que je ne parle pas le français.
iyo mbishobora mba navuze indimi zose ni giswahili nkuko yabivuze giswahili cyo ndakibuka ndakizi ariko reka mvuge mu kinyarwanda mu muhindurire banya ko basaserdoti mu muhindurire ibyo atumva mu kinyarwanda ndashima rero ndashima umuhamagaro umuhamagaro nambira guhamagarwa kandi akagira ubuhamya no mu mahanga hari akababwira ibyari bikenewe wabo cyane ariko akabibwira nabandi muranyumva icyo nshaka kubabwira ntabwo Liège ntabwo Rome aribo bari bakeneye ubutumwa bw'amahoro ubutumwa bw'urukundo ubutumwa bwo kubana ubutumwa bwo kwishyira hamwe ngo bagire icyo bimarira bagira agaciro batera imbere kurutaho yavuye ariko kubera wa muhamagaro kubera kwa kudahinduka kw'Imana yakomeje kubikora turagushimira cyane turagushimira kandi ndagira ngo nkubwire ufite inshuti nyinshi ufite nabantu menshi ufasha ukomeza mu muhamagaro wabo kandi mutarahura mutarahoberana mutarasangira mutaragirana ibitaramo ariko ukaba utaramana nabo mu mitima yabo no mu buzima bwabo ukababera inkingi y'ubuzima bakagukurikira kandi batari mwanahura uwo numwe icya kabiri nasabye uyu mwanya kugira ngo mbabwire indi shuti yanjye itakiri mu mubiri ariko we twabonanye twabanye numvise nabanye nawe ariko utakiriho ni Monseigneur Aloys Bigirumwami. Bigirumwami yanyigishije ikintu ndi umwana ndi umunyeshuri ndi muri College des Humanités Modernes ku Gisenyi aratubwira ngo Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo niyo Mana y'u Rwanda niyo Mana yanyu bana banje muzayifate neza. Abanyafurika Monseigneur Jérôme Abanyafurika dufite umubabaro wo kutaramya Imana muri context kutiringira Imana muri context yacu kugira ngo noneho tumenye uko dusaba ya Mana ngo ivugurure iyo context tugira gakiza kadushira mu buzima bwuzuye ibyo nibyo bigira umwami yavugaga ibyo nibyo Monseigneur bigira umwami yazize kuko bamwe batekereje ko ari umurevolutionnaire ashaka gutuma abanyafurika batekereza ko hari ukundi ariko icyo yashaka kugira ngo abanyafurika bamenye ko batavumba Imana Imana ya Abrahamu Imana ya Isaac Imana ya Yakobo niyo Mana ya Bishop Monseigneur bigira umwami niyo Mana ya Monseigneur Jérôme niyo Mana yanyu abaje muri kiliziya mwicaye imbere y'Uwiteka n'abamaze guhabwa Ukaristiya ni Imana yanyu kuko yari Abrahamu ibyo nibyo Monseigneur bigira umwami yavugaga kwizerera Imana muri context kugira ngo Imana ikore transformation y'ubuzima bwuzuye Abanyafurika tugira ibyiringiro espoir engagé nibyo bigira umwami yavugaga ariko ntabwo yumvikanye possible nkuko Monseigneur Jérôme atumvikanye nkuko na Yesu atumvikanye bakamubamba ku musaraba ariko umuhamagaro ni wa wundi Imana ni ya yindi kandi ndagira ngo ndangize mbashimira Yesu yaravuze ngo bazabamenya ko muri abanjye nimukundana ntabwo ari uko muzabiririmba ntabwo ari uko muzabikina mu mikino nuko muzakundana nuko muzagira agaciro nanjye nkabona agaciro kuko mufite agaciro mumpaye agaciro nk'abana banjye nk'abigishwa banjye kandi nk'amatorero kuko Monseigneur yatwigishije
twebwe abahamagawe ndetse n'abacyuye igihe ariko nta ucyuri igihe mu muhamagaro. Golden Jubilee ya Monseigneur inshuti yacu umuvandimwe wacu ntabwo bivuga gucyura igihe mu muhamagaro, yacyura igihe muri administration, yacyura igihe muri management, ariko ntazacyura igihe mu muhamagaro, azakomeza kuba itabaza ryaka. Rero turi muri Abrahamic Covenant, turi mu muhamagaro, turi mu nshingano, turi mu masezerano ya Abrahamu, turabuzukura umukwizera ba Abrahamu. Ntabwo ari uko turi Abayuda kugira ngo kagakiza Abrahamu yavuze azahesha isi. Kandi Yesu yavuze ngo mutangirire i Yerusalemu, mutangirire muri Uvira, mutangirire muri Kigali, mutangirire aho muri, muje ku isi yose. Monseigneur, Imana ikuhe umugisha. Vicar General turabashimiye, Padre mukuru turabashimiye, ariko ndabasaba bavandimwe bene data, the challenge is real. Africa has suffered long enough. Africa must change. Kandi zahindurwa n'ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Arakoze Monseigneur Rujyana ku ijambo ryiza tubwiye. Maintenant nous allons suivre le discours du vicaire général du diocèse d'Uvira, Monseigneur Honoré. Son Excellence, Monseigneur notre évêque émérite, je vous transmets de tout cœur les salutations et les vœux les meilleurs de la part de Son Excellence, Monseigneur notre évêque d'Uvira, pour votre jubilé sacerdotal d'or. Il aurait bien voulu être ici, mais il a été retenu par les ordinations sacerdotales et diaconales et le jubilé d'or d'une de nos paroisses qui auront lieu demain, dimanche 21 août. Je m'associe aussi à la joie de tous les membres de notre délégation et de toute notre communauté diocésaine pour vous réitérer les mêmes salutations et vœux les meilleurs à l'occasion de ce jubilé sacerdotal d'or. L'or est un métal précieux et apprécié à cause de sa résistance à la rouille et à la déperdition. Tel vous avez été pour nous, un pasteur précieux et apprécié aimant Dieu et l'Église. Et votre amour pour l'Église et pour Dieu a été très visible, en particulier pendant les 16 ans que vous avez été à la guide de notre diocèse. Vous avez renoncé et vous vous êtes dépouillé de tout pour tout donner à l'Église et à Dieu. Vous avez été notre pasteur et vous demeurez pour nous le pasteur émérite de notre diocèse. Plein d'humanité et de paternité, de miséricorde et de bonté pour les âmes confiées à votre mission apostolique. En particulier, vous avez été un pasteur compatissant envers les prêtres et les laïcs souffrant et en désarroi. Un pasteur engagé
dans le secteur du développement. Si notre Caritas diocésaine et d'autres structures diocésaines ont rayonné tant au niveau national qu'international, c'est à cause de vous qui avez mis sur pied des stratégies adéquates pour que leur flamme brille toujours. Un pasteur d'un niveau intellectuel excellent, en effet, votre thèse doctorale dans le domaine de l'Église, de l'histoire de l'Église, reste un point de référence majeur pour l'histoire de l'évangélisation dans notre espace diocésain. Nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous et que le bon Dieu vous restitue le centuple. Aujourd'hui que nous célébrons cette joie du jubilé, Dieu a voulu aussi qu'il y ait la joie auprès de lui par la naissance de notre confrère Benoît au ciel. Dieu soit loué éternellement. Merci pour votre famille biologique qui avait accepté que votre vie soit consacrée totalement à Dieu. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont aidé à cheminer auprès du Seigneur et sur les pas du Seigneur. Merci pour l'archidiocèse qui nous a accepté de concélébrer lors de cette messe de jubilé. Merci pour la paroisse, respectivement représentée par le vicaire général et le curé de la paroisse. Merci pour le service du protocole, pour son accueil chaleureux et son dévouement pour notre délégation, et qui ne cesse d'être disponible pour nous jour et nuit, pour que nous puissions nous sentir à l'aise pour la circonstance et ici à Kigali. Félicitations, Son Excellence, Monseigneur, notre évêque émérite, pour ses 50 ans d'ordination sacerdotale. Vous soufflez aujourd'hui sur 50 bougies qui resteront certainement allumées dans nos cœurs. Ce jour, nous espérons, Son Excellence, marque l'ouverture de l'année jubilaire et qu'il y aura d'autres étapes de célébration où nous aurons la nôtre avec vous au Congo. Nous osons espérer. Que Dieu, qui vous a béni, qui vous a consacré, et qui vous a appelé à sa suite pour paître ses brebis à Ouvira, vous accorde longue vie. Je dis et je vous remercie. Merci, Monseigneur Honoré, pour ce message venu du diocèse d'Ouvira. Maintenant, avant de recevoir la bénédiction de Monseigneur le jubilaire, il va d'abord nous livrer un message pour son jubilé d'or. Excellence Monseigneur, je vous invite à nous donner votre message de votre fête jubilaire. Les discours sont nombreux.
Et je me retrouve dans tous les discours, au risque de trop me répéter et de vous ennuyer. Mais le protocole exige certaines règles. Je dois répondre aux mots qui m'ont été adressés à différents niveaux. Il y aura d'autres certainement un peu plus tard. Vous avez senti que ma voix n'est pas bien, je suis enrhumé, le climat change beaucoup ici et ça me perturbe un tout petit peu. Je vais essayer quand même. Je commence par remercier le curé de la paroisse de Gina Pachis, c'est Jean Bosco, qui avait généreusement accepté que nous puissions célébrer cette messe ici chez vous. Je crois vous l'avoir déjà demandé avant de venir ici, par des messages. Et ici, j'ai répété, je vous ai visité. Vous avez vu le cardinal à qui j'avais aussi adressé la même invitation longtemps avant, mais qui était déjà invité ailleurs. Il a dû se répondre à l'invitation ailleurs. Donc je vois en vous le cardinal aussi. Heureusement que le vicaire général est ici, il vient de donner son message aussi. Donc je me sens bien à l'aise ici chez vous, c'est chez moi aussi. Merci beaucoup pour la générosité. La communauté sacerdotale et laïque des chrétiens d'Ouvira, vous êtes venus, je sais que la route n'est pas très agréable de là ici. C'est long d'abord, ça peut comporter aussi des difficultés, pas seulement financières, mais surtout sécuritaires. Mais Dieu vous a conduit, vous avez voulu venir ici, et nous sommes heureux, pas seulement moi, pas seulement le comité qui a organisé tout ce que nous sommes en train de vivre, mais les chrétiens d'ici aussi, apprenant que d'Ouvira vient une délégation, c'est pour nous un motif de joie. Vous nous avez apporté une sorte de baume sur le cœur. Souvent je parle avec des images. Vous nous avez enivrés de joie. Tous, tels que vous êtes, femmes, il y a même un petit enfant parmi vous, c'est toute l'église d'Ouvira qui s'est déplacée à travers vous. Des femmes, des hommes, des prêtres. Merci, que Dieu vous bénisse, qui vous ramène à bon port. Et là où vous serez retournés, communiquez le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'amour, le feu de la concorde. Ce n'est que cela qui pourra sauver notre diocèse. Vous savez son histoire, je la connais un peu mieux que vous peut-être, puisque je suis plus âgé. J'ai vu ses origines lointaines, la préhistoire, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Donc je le connais beaucoup. Ce que j'ai écrit là-dessus, vous le lirez peut-être un jour. Profitez-en pour soutirer des messages de vie, des messages de concorde. Je vois, j'ai déjà fait allusion à mes confrères et frères évêques et chefs de communautés protestantes. Je le vois un peu de loin, mes yeux commencent à faiblir, mais comme j'ai reconnu, repéré des personnalités. C'est rare qu'on se retrouve dans une cérémonie de prière tous ensemble, comme des frères. C'est même, ça nous est dit qu'il est bon d'être ensemble comme des frères. Nous croyons au même Dieu,
Nous avons le même livre, c'est la Bible. Bien que vous, vous n'avez pas certains livres de l'Ancien Testament, mais c'est le même livre fondamental, mais c'est le même message. Votre présence dans cette église est très significative et remarquée par moi-même et les autres aussi. Nous prions pour vos communautés. Si vous étiez un jour avec moi dans ma voiture en Europe, vous sentirez vos mélodies de vos églises. Je les ai. Je ne sais pas conduire sans musique. Et j'ai beaucoup de chants de vos communautés. Ça nous lie. Ça fait de nous des frères. Maintenant, je suis en train encore de récolter beaucoup de chants de toutes les langues ici pour les mettre dans ma voiture et vivre avec vous à distance en Belgique et vous ici en Afrique. Merci à la chorale. La chorale, vous avez été magnifique, merveilleux même. Souvent, je dis ceci, c'est ma façon de voir même les images que j'emploie dans mes sermons, que le chant, c'est un assaisonnement de la nourriture. L'Eucharistie, nous l'appelons le repas eucharistique, repas. Pour se donner à nous, Jésus est passé par le repas, le symbole du repas, qui donne la vie, la nourriture, la santé, qui galvanise et crée l'unité. Quand les gens sont en conflit, pour le résoudre, ils mangent ensemble. Le repas est important. Et le chant, c'est vraiment un condiment qui fait de la messe un aliment agréable qu'on mange, qu'on avale, qui fait du bien. Nimakolezo nyimbo za liturgia. Wanamkolezea Mungu na hata watu wake. Asante kwa yote mliofanya, najua kama mlifanya kujitayarisha, mazoezi, kuimba. Kutafuta namna ya kufanya vizuri zaidi, leo umefanya maajabu. Asante kwa wote. Les prêtres du Rwanda qui sont ici, il y en a qui sont mes amis depuis longtemps. Longtemps. Peut-être avant même l'épiscopat, mais surtout après l'épiscopat. Mon épiscopat. Nous avons donc une longue histoire de fréquentation, de fraternité. Quand je vois Monseigneur Inchimatata Oreste, quand nous commencions tous à chercher les formules pour créer les caritas diocésaines, nous avons beaucoup réfléchi ensemble. On a échangé des idées, chacun a appliqué chez lui comme il pouvait. Je me rends compte, ici, ça prend des racines très profondes. Chez nous aussi, ça avait commencé. N'eût été la guerre qui nous a démolis presque complètement. Caritas de Vira avait démarré. J'étais confiant qu'on allait faire des merveilles. On dit que l'homme propose, Dieu dispose. La guerre est venue détruire. Mais il ne faut pas perdre le courage. Chers abbés d'Ouvira, chers chrétiens d'Ouvira, ne vous arrêtez pas aux difficultés. Si vous voulez, ensemble, vous allez encore faire d'Ouvira une belle épouse de Christ. C'est question de vouloir ensemble, vous tous. Vous savez, notre laïcat nous aime beaucoup. Moi, je le sais très bien. Quand j'étais à Ouvira pendant la bourrasque où on m'envoyait des tracts, on me menaçait, tout cela, à Moulongwe, dans la cité, il y a des familles qui passaient des jours et nuits en train de prier pour la paix, pour ma paix. Je les connais. Ils n'apparaissaient pas. Mais ils étaient vraiment au front de la prière. Animez ces communautés-là, ces gens-là, ces hommes qui cherchent l'amour et la paix. N'ayez pas peur de pierres, peut-être de quelques coups de fusil. Même ceux qui ne l'ont pas fait, il y en a qui sont morts malgré tout. Donc je voudrais vous pousser, vous conseiller d'être unis. Vous, membres du clergé, faites confiance à votre laïcat. Vous allez arriver très loin. J'en suis certain.
J'ai vu des signes quand j'étais encore là. Le pape François nous dit ceci, que le pasteur doit sentir l'odeur des brebis. Vous devez presque coucher à côté de vos brebis, vos chrétiens, qu'ils vous communiquent l'odeur de leurs habits, de leur façon de vivre et de penser. Puisqu'ils vous sentent proches, ils vous sentent leurs amis, pas seulement pasteurs d'en haut. Et là, avec eux, vous ferez des merveilles, c'est sûr. Mais c'est la voie obligée de vous rapprocher de vos chrétiens. Sainement, ça va aller. Les chrétiens qui sont ici, à l'occasion, se sont rassemblés. Signe de solidarité, d'affection et de gratitude peut-être aussi. Vous m'avez donné un grand cadeau. Je pouvais célébrer dans une petite chapelle en Belgique, dans mon château. Ça s'arrêtait là. Une messe, 30 minutes, c'était fini. En Belgique, une messe dure maximum 30 minutes. C'était facile pour moi de le faire. Mais vous m'avez presque appelé ici. Et nous avons pris beaucoup de temps, avec beaucoup de patience. Ce sont des cadeaux que vous me donnez. Tout cela, je récolte. Je vais ramener en Belgique pour encore mijoter comme une vache qui a déjà amassé beaucoup d'herbes, rumine encore tout ce qu'elle a mis dans sa bouche. Je vais ruminer cette journée. Je vais la méditer. Je vais la laisser me donner une nouvelle santé malgré mon âge qui commence à m'inviter à m'asseoir pour toujours. Merci beaucoup à tout le monde. Il y a d'autres choses qui vont venir. Je vais vous laisser tranquille et libéré. Si j'ai oublié quelqu'un, il me pardonnera. Je citais quelques des têtes comme ça, des groupes. Mais vous tous, vous savez, le cœur de l'homme, là où il y a l'amour, il y a toujours de la place. Je vous ai dans mon cœur. Vous êtes tous, chacun individuellement et groupe, vous êtes dans mon cœur. Souvent je dis aux gens que je suis assis, ma chaise, et dans le cœur de la Vierge Marie, ma mère qui m'a aimé. Je suis dans le sanctuaire marial où il est appris comme à Kibéro, il y a longtemps, en 1933. Je sens que j'habite le cœur de Marie. Elle est ma mère. Vous aussi. Soyez convaincus, vous êtes dans mon cœur. Si vous me permettez de m'asseoir dans vos cœurs, c'est la communion parfaite. On va s'aimer davantage, on va se faire beaucoup de bien, où que nous soyons, sous différentes formes. Je m'arrête ici, le temps a été long. Soyez bénis de celui qui nous a rassemblés ici, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous bénir, vous tous et toutes.
Si vous voulez, je vais prêter à Dieu ma main qui est visible. Dieu est invisible, mais je fais de ma bénédiction sa bénédiction pour sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous tienne en sa bénédiction, pur et saint, sous son regard. Qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit avec vous et demeure avec vous toujours. Allons dans la paix de Christ. C'est aussi à l'intention de Monseigneur et des concélébrants. Nous vous demanderons qu'à votre sortie de l'église, quand vous arriverez au niveau de l'esplanade, que vous puissiez nous donner un petit temps pour les photos souvenirs. Je vous remercie. Nous avons tous à la photo à Zagoufatwa, Kogirango et Kikikorga, tous à commiser au Tibou. On raconte ce tien.